Les droits de l'homme constituent la colonne vertébrale des pays. Nous devons œuvrer ensemble quotidiennement pour améliorer la situation des droits de l'homme au Comores. C'est un devoir pour chacun de nous. Oui, nous voulons un pays de paix et de sécurité où il fera bon de vivre. Les violences observées parfois dans l'exercice de vos fonctions est une réalité mondiale. Tous les pays, sans exception, n'y échappent pas. Ce n'est pas un problème comorien. Même si certains actes sont involontaires et presque imposés par certains comportements de la population qui vous obligent parfois à opter pour la légitime défense ou le maintien de l'ordre, en l'occurrence, vous avez des droits applicable et vous êtes dans vos droits quand vous avez à appliquer une réquisition générale, une réquisition particulière ou une réquisition complémentaire spéciale selon la force des choses. Notre pays n'étant pas épargné car ayant adhéré sans réserve à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'au principe de Paris, nous devons comprendre qu'un mécanisme contre les fléaux est disponible. Et il est de notre devoir de vous le faire comprendre et de définir la notion de torture pour le combattre. Des gestes qui paraissaient anodins hier sont considérés aujourd'hui comme des actes de torture. Selon la Déclaration des droits de l'homme, les principes de Paris et selon les règles de Mandela. Certes, l'actualité et le climat que traverse notre pays actuellement nécessitent un rassemblement. Votre intervention, l'intervention bien sûr de la Commission nationale, mais aussi du ministère, dans le cadre des missions qui vous sont conférées par nos différentes lois. Pour mener à bien cette tâche, il est important de vous concerter, de vous convier et asseoir les bases juridiques et de courtoisie tremplin de votre succès qui est le nôtre. Nous espérons donc vivement que tout soit mis en œuvre pour que cet objectif sur les normes des droits humains ainsi que la lutte contre la torture soit atteint dans des conditions acceptables pour tous. Et par tous.